Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de juin 2022 pour la sonde en Lyon. C'est le tableau des planètes se déplaçant en transit, montrant les positions actuelles des planètes. Il n'y a pas de planète dans la première et la deuxième maison. Que tu es assis dans la troisième maison. Il n'y a pas de planète dans les quatrième, cinquième et sixième maison. Saturne est assis dans la septième maison. Jupiter et Mars sont assis dans la huitième maison. Mars emménagera dans votre neuvième maison le 27 juin. Vénus et Rahu sont assis dans la neuvième maison. Vénus emménagera dans votre dixième maison le 18 juin. Le Soleil et Mercure sont assis dans la dixième maison. Le Soleil emménagera dans votre onzième maison le 15 juin. Il n'y a pas de planète dans les onzième et douzième maisons. Le Soleil est votre ascendant et le Soleil est assis dans votre dixième maison. Le Soleil n'a qu'une seule vision. Et c'est la septième vision. Le soleil donne de bons résultats en maison X. Votre santé sera bonne. Le soleil et Mercure ensemble formeront Bidba Aditya Yoga. Pour cette raison, il y aura des progrès dans votre travail et votre carrière. Il y aura des progrès dans les affaires. Votre honneur et votre respect augmenteront. La santé de votre mère va se détériorer. Le 15 juin, le soleil emménagera dans votre dixième maison. Même alors vous n'obtiendrez que de bons résultats du soleil. Mercure est le seigneur de votre deuxième et onzième maison. Mercure est assis dans votre dixième maison. Mercure n'a qu'une seule vision. Et c'est la septième vision. Votre situation financière sera bonne. Votre carrière sera forte. Vénus gouverne vos troisième et dixième maison. Vénus n'a qu'une seule vision. Et c'est la septième vision. Vénus est assise dans votre neuvième maison. Vénus regarde sa propre maison de son septième point de vue, grâce à cela votre puissance augmentera. Mais la chance ne sera pas avec vous. Méfiez-vous des femmes. Les femmes peuvent vous nuire. Respectez les femmes. Vénus emménagera dans votre dixième maison le 18 juin. Pour le remède de Vénus, donnez du fourrage vert à la vache. Mars est le seigneur de votre quatrième et neuvième maison. Mars a trois aspects. Et c'est le quatrième. Le septième et le huitième. Mars est assis dans votre huitième maison. Il y aura des conflits dus à la propriété ancestrale. Vous vous intéresserez aux sciences occultes. C'est un bon moment pour les personnes associées au domaine de la recherche et de l'exploitation minière. Ne prenez aucune décision importante à la hâte. Contrôlez votre discours et votre ego. Faites de la méditation et du yoga pour la paix mentale. Le 27 juin, Mars emménagera dans votre neuvième maison. Pour le remède de Mars, récitez à Numen Chalisa. Jupiter est le seigneur de votre cinquième et huitième maison. Il y a trois visions de Jupiter. Et c'est le cinquième, septième et neuvième. Jupiter est assis dans son propre signe dans votre huitième maison. L'argent sera économisé. Vous pouvez obtenir de l'argent tout à coup. Si Jupiter est en bonne position dans votre thème natal, vous pouvez investir de l'argent en bourse et en tirer des bénéfices. Vous pouvez proposer ce que vous aimez. La relation amoureuse sera bonne. Saturne est le seigneur de vos sixième et septième maisons. Saturne est assis dans son propre signe dans votre septième maison. Saturne a trois aspects. Et c'est le troisième, le septième et le dixième. Si vous deviez vous marier, cela pourrait être retardé. Il faut attendre un an pour se marier. Les relations avec le Père peuvent se détériorer. Saturne vous rendra indifférent en voyant votre ascendant. Vous pouvez être trompé dans un partenariat commercial. Ceux qui veulent démarrer une nouvelle entreprise, ils peuvent démarrer une nouvelle entreprise. Vous resterez à l'écart des activités religieuses. Il y aura des troubles dans la maison. Il faut être religieux pour maintenir la paix dans la maison. Rahu est que tu changes de zodiaque après un an et demi. Rahu est venu dans votre neuvième maison et que tu dans votre troisième maison. Vous devez prendre soin de la santé de votre père. La chance ne vous soutiendra pas. Les étudiants ne pourront pas se concentrer dans leurs études. Il y aura des problèmes dans les études de vos enfants. Vous pouvez utiliser une mauvaise façon de gagner de l'argent. Votre travail en attente sera terminé. Les relations avec les frères et sœurs plus jeunes vont se détériorer prenez soin de votre nourriture et de vos boissons, sinon il peut y avoir des problèmes de gaz et d'acidité. Pour éviter les mauvais effets de Rahu et que tu, vous devez faire un travail religieux. C'était donc la prédiction de juin 2022 pour la sonde en Lyon. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci.